tête en colère comme ça. C'est quoi, Vito, toi, ta tête en colère? Regarde, maman, c'est comme ça. Viens-moi. C'est la tête en colère. Viens-moi. On vient de rentrer de l'hôpital. Elle est où, Luna? On sort Billy. En fait, ils m'ont... Papillon. Ils ont collé avec de la glu. Ma cicatrice, quoi. Parce que je me suis vraiment bien ouvert l'arcade. En fait, elle a crié. J'ai cru que la porte... Je connais pas encore bien la maison. J'ai cru que la porte était vraiment ouverte à fond. En fait, pas du tout. Et je me suis pris le coin de la porte. Mais vraiment, ça m'a assommée. Et je me suis vraiment bien, bien ouverte. Donc là, elle a nettoyé le sang. Elle m'a dit que c'était vraiment assez profond. Mais ils avaient la technique de la colle. Et si dans 5 jours, c'était toujours ouvert, là, elle devait recoudre normalement. Donc voilà, j'espère que ça va rester comme ça. Après, elle m'a dit qu'avec les strips, j'avais vraiment bien fermé. La cicatrice a été bien droite. J'avais vraiment bien fait. Quoi? Du coup, elle m'a dit, voilà... Ça a aidé à ce que ça se referme un peu, quoi. Donc voilà, les péripéties de la journée. On fait l'activité favorite de Luna. Dessiner. Ouh là là, alors là, non, pas du tout. Bon, déjà, c'est pas du tout son style, mais... Il y a les ouvriers à la maison. Mais non, j'ai fait vraiment... De toute manière, si vous me connaissez bien, c'est un truc qui aurait dû m'arriver depuis longtemps. Et Maxime me disait tout le temps, quand Luna faisait ça, justement, arrête d'aller vite, lève-toi doucement, même si elle crie, fais attention, parce qu'il me voyait me lever comme une furie, courir vers elle, si ça va, même si c'est un cauchemar ou quoi, ben, je cours toujours quand je dors mes enfants. Il m'a dit, fais gaffe, un jour il va t'arriver un truc, ben voilà, je me suis pris la porte, mais vraiment bien la porte. Je me suis assommée, j'ai touché, il y avait du sang partout. J'ai envoyé des messages à Maxime, mais il dormait. Donc, ouais, parce que, bon, Maxime, lui, il travaille. Il a encore son appartement jusqu'à février, comme je vous avais dit. Du coup, bah, pour l'instant, on est là sans lui. Mais il vient les week-ends quand il peut, quoi. Mais non, c'est vraiment la porte. Et je me suis pas loupée. Il a trouvé une copine. Oh! Slowly! Qu'est-ce qu'elle a mis, maman, dedans? Pastèque. De la pastèque? Oui. C'est bon? Oui. Il adore ces bibis-là. Petit coche. On a toutes les couleurs. Vous avez les grands, les petits. C'est les bibis de chez Twist Check. Tu dis, toi, Twist Check? Twist Check. Moi, yeah. Twist Check. Yes, c'est les bibis de chez Twist Check. Oui. Donc comme je vous ai mis, vous avez les valves d'air anticolique pour éviter les maux d'estomac chez les petits bébés. Et je te donne. Et vous avez à l'intérieur un filet mélangeur pour éviter les grumeaux. Et vous avez l'ouverture qui est assez large. Donc voilà, pour le nettoyage, c'est bien. Vous avez aussi les petites boîtes. Elles sont rangées moi en haut pour mettre la dose de lait à l'intérieur. Hyper pratique. Donc voilà, sur Twist Check, encore une fois. Moi, depuis que Luna est petite, j'ai tout de Twist Check, que ce soit les biberons, les couverts, leur assiette. Là, je peux vous montrer là, j'ai la dose de chez Twist Check. Voilà, ils prennent les assiettes de chez eux, les couverts, les gourdes, les verres, les petits verres comme ça. Franchement, ils ont absolument tout et ils adorent. Vous avez aussi les poussettes, les robots pour les cuisines. Enfin bref, vraiment tout sur ce site. La qualité est top, vous pouvez varier les couleurs et tout, c'est assez fun. Et vous avez une dernière chance, c'est ça aussi que je voulais vous dire, d'avoir moins 50% sur tout le site. Et moi, je vous laisse moins 20% supplémentaire avec le code 20JuliaParedesOff, valable uniquement pendant 48 heures. Donc, profitez-en. Si vous connaissez pas, si vous connaissez pour faire du stock, je vous laisse le site et le code.